Bonjour. Hi everybody, this is Daniel and welcome to Dancing Time! Okay. Super. Good. And what did we learn today in our fourth lesson? Okay, alors aujourd'hui on va voir le pas latéral. Donc c'est moi qui vais décider de la direction latérale, au gauche ou droite. Et Violette va faire en fonction de mes mouvements. Et puis après on reprendra des pas un petit peu libres, un petit peu partout. Donc voilà, c'est parti. Let's go. Tu vas aller seul, oui? Allez, sérieux. Ok. Oh, I have a bit to look your feet always. Is this good like this? Si tu veux. Okay. C'est ton choix. I am the master today. Tous les jours. No, I make a mistake. I'm sorry. Et marcher. Oui. Yes. We have the same idea at the same time. Ok, j'ai plus sûr de moi. Très bien. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein? Ah. J'ai fait une petite erreur. Continue. Ok. Et tu allais seul, oui. Tu allais seul, très bien. Très bien. Je suis pas un peu trop rapide? Quelquefois, tu allais seul. Ouais, ah, ok. C'est le problème. Quelquefois, tu ne me prends pas avec toi. Ok. Ah, très bien. Oui, c'est clair. Là, je fais une fusion de tout ce qu'on a pu voir avant. Oui. J'improvise. Non, c'est le propos du tango. Ok, je continue. Ok, merci. Je pense que tu vas réaliser que quand il y a un problème, une disconnection, ouais, il faut être avec toi-même super clair. Oui. Quand tu veux aller seul et quand tu veux je viens avec toi. Oui, des fois je me rends compte que je mélange tout et qu'à un moment donné j'ai un bug informatique. Donc du coup je sais plus quoi faire. Mais tu vas réaliser les moments de confusion, c'est quand tu n'es pas clair avec moi. Viens avec moi, oh, je fais quelque chose sur lui. Ok, genre le mec il est là. Voilà. Oui, parce que c'est ton droit de show off. Okay. Tout le temps. Quand tu veux faire quelque chose de fancy, c'est ton droit. Et aussi, bam, bam, tu peux changer tes pieds. Sans avoir de contact ou toujours avec le contact? Toujours avec le contact. Okay. Bon, bah, il nous reste encore beaucoup de jours. On se dit rendez-vous à demain pour la nouvelle séance
pour la nouvelle leçon.